salut. Vous vous demandez, est-ce que je coupe ou est-ce que je ne coupe pas? Avant de couper votre ruban LED, je vous conseille d'aller voir si c'est possible sur le site où vous avez acheté votre ruban LED ou alors dans la notice. Là, vous avez deux bandes LED, une bande LED classique et une bande LED COB. On va regarder ça d'un peu plus près. Ici, vous avez un ruban LED classique. Vous pouvez couper au niveau des quatre connexions cuivrées, juste en suivant le trait. Ici, vous avez un ruban LED COB. Il suffit aussi de couper au niveau des connexions cuivrées. Voilà, on va donc couper la bande LED. Voilà, vous avez le choix, soit vous utilisez un connecteur droit, soit un connecteur d'angle dans les coins, mais le mieux c'est d'utiliser un connecteur filaire qui vous permettra d'orienter votre bande LED comme vous voulez. Ce que ça donne, si jamais vous en mettez pas, voyez dans les coins, puisque votre bande LED sera collé comme ça, ça fera ça, ce sera torsadé. Après, c'est pas gênant au niveau du fonctionnement, mais au niveau esthétique, ça peut déranger. Si vos connexions cuivrées ne tombent pas dans un coin, techniquement, vous ne pourrez pas placer votre connecteur d'angle. Et c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser un connecteur filaire. Vous voyez, ce sera bien plus facile. Voilà ce que ça donne avec un connecteur droit. Sans problème. Voilà un connecteur filaire que j'ai moi-même fabriqué et qui fonctionne parfaitement. L'avantage est que vous pouvez l'orienter dans tous les sens, contrairement à d'autres connecteurs. L'intérêt aussi de mettre un connecteur filaire, c'est que vous pouvez le passer derrière un meuble et ça vous permettra de gagner de la longueur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et donné des idées. Dans la description, vous trouverez un ruban LED classique et le ruban LED COB multicolore qui vaut vraiment le coup pour son rendu esthétique. Comme vous pouvez le voir, il a une luminosité homogène. C'est plutôt cool. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis ciao !